Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge, un C'est du Belge spécial New York, puisque nous sommes ici, Barbara, au pied de la Statue de la Liberté. Et oui, toute une émission consacrée à cette grande ville, toute une soirée aussi sur la RTBF, puisqu'après l'émission C'est du Belge, vous découvrez un documentaire qui retrace l'histoire de cette grande dame qui se trouve derrière nous, la Statue de la Liberté, le symbole d'une ville, d'un pays aussi. Bref, une émission à ne pas rater. Alors New York, c'est un nom qui fait rêver. Eh bien, certains de nos compatriotes ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils sont un peu plus de 3000 à avoir quitté la Belgique pour venir vivre ici le fameux rêve américain. Parmi eux, Diane von Furstenberg, celle qui a inventé il y a 40 ans la fameuse robe portefeuille, la wrap dress. On avait vraiment envie de la rencontrer. C'est une véritable icône de la mode. Oh que oui, et je l'ai rencontrée spécialement pour vous chez elle à Manhattan. Et vous pourrez aussi suivre l'ouverture de sa fameuse exposition à Los Angeles pour fêter les 40 ans de la non moins fameuse wrap dress. Bref, tout un programme avec beaucoup de Belges. Alors si vous êtes prêts, ready, go! Le premier des Belges que nous rencontrons ce soir s'appelle Yves Jadot. Installé depuis près de 30 ans à Manhattan, il est aujourd'hui à la tête de 11 établissements dont certains proposent une cuisine typiquement belge. Jacqueline Gossens, elle, est journaliste, auteur et guide officiel de la ville de New York. Loin des clichés, elle nous emmènera dans des lieux inattendus. Christophe Van de Weg est un marchand d'art reconnu dans cette ville bouillonnante. Il nous ouvre les portes de la magnifique demeure d'un couple possédant une collection de tableaux exceptionnels. Ça peut coûter 50, 60, 80 millions de dollars, parce que c'est hors catégorie. Nous retracerons enfin les liens qui unissent la Belgique et en particulier les membres de la famille royale à cette ville mythique des États-Unis. Nous sommes donc ici devant la Statue de la Liberté, la plus grande dame des États-Unis, un monument qui a été offert par les Français aux Américains et qui reste aujourd'hui un des endroits les plus visités de New York. Et en face de cette grande dame, de l'autre côté de l'eau, vous pouvez presque découvrir Manhattan et ses fameux gratte-ciels, les gratte nuages, c'est le cas aujourd'hui, autre emblème de la ville de New York, bien évidemment. Quand on parle de la ville de New York, eh bien on a envie de se faire un petit point sur la cuisine. Gérald, vous êtes un épicurien. Oui. Ici, vous devez être un peu déçu parce que hot dog, hamburger, bretzel, c'est... Non, non, que nenni. Nos compatriotes sont passés par là. Les Belges sont venus avec notre savoir-faire en cuisine. Ils ont ouvert des restaurants que les Américains apprécient beaucoup et ils dégustent des carbonates flamandes, du stoum et tout ce qui fait la gastronomie belge. C'est un Belge d'ailleurs, Yves Jadot, qui a quitté la Belgique à 18 ans, qui a réalisé ici son fameux rêve américain. Et depuis, c'est une vraie success story. Et ça fait 30 ans que ça dure. Yves Jadot a maintenant 11 établissements, dont certains sont labellisés belges. On avait vraiment envie de le rencontrer pour vous. C'est un reportage de Marie-Hélène van der Bocht. C'est sans expérience et sans connaître un mot d'anglais que Yves Jadot décide de tenter sa chance à New York il y a plus de 20 ans. Sa seule connaissance du métier de restaurateur, il la doit à sa maman qui tenait un resto à Bruxelles. Celle-ci a toujours soutenu son fils dans l'aventure et les murs de la ville en gardent même une trace. C'est ici que l'aventure a débuté, il y a 19 ans maintenant, c'était le premier petit abeille. D'ailleurs, il y a toujours une petite plaque qui est là, qui se situe au-dessus de la porte. C'est une petite plaque que ma maman m'a offerte il y a 19 ans et qui indique le quai de Bruxelles. À ce moment-là, j'étais tout seul, donc c'est pour ça que c'est le quai de Bruxelles. Maintenant, je suis là avec mes frères, donc ça devrait être normalement les quais de Bruxelles. Quoi. Son premier établissement, il le veut 100% belge et le baptise Petite Abeille. Petite Abeille, c'est les petites bandes dessinées qu'on nous lisait quand on était gamin. Et c'est ce que je disais aussi à ma petite fille.
Et je trouvais que le logo était sympa. Donc, d'ailleurs, Tamara Damblon, qui a créé la petite abeille, était tout à fait ravie qu'on avait fait revivre un peu sa petite abeille à New York. Ici règne l'ambiance bistrot, au menu Waterzooi, carbonade flamande, sans oublier les quelques 40 bières bien de chez nous. On est très connu pour les moules, bien évidemment, donc les moules marchent très bien, et surtout les gaufres, le samedi, dimanche, brunch. Et puis la bière, bien évidemment, et nos frites. Alors malgré tout, vous voyez défiler pas mal de personnalités, l'air de rien. La première grosse personnalité qu'on a eue, c'était Leonardo DiCaprio, Jessica Biel, Justin Timberlake, Harrison Ford, il y en a beaucoup. Quoi. Alors le succès était immédiat, comment ça s'est passé ? Immédiat, non, pas du tout. Je me souviens que les premières journées, j'avais 300 dollars dans ma caisse enregistrée. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme grosse erreur. Et malgré ses débuts difficiles, Yves s'accroche, persévère et se diversifie. Aujourd'hui, on le retrouve à la tête de multiples établissements aux accents espagnol, français ou anglais, comme ici au Shakespeare. Ici en bas, c'est un petit peu le genre. Bon, c'est un pub, c'est le pub anglais, mais la nourriture, ça se rapproche très fort de la Belgique dans un sens où c'est très simple, c'est pas très léger, mais c'est surtout très bon. Et voilà, notre ricotta. Merci. Et le fish and chips. Dites-moi Yves, vous êtes vraiment sur le terrain, dans les cuisines, vous servez? On est un petit peu obligé au début, ouais. Il faut faire ça. Comme ça, on voit là où sont toutes les petites erreurs, où on peut les rectifier, donc c'est plus facile de le faire soi-même. Ouais. Autre lieu créé par notre self-made man, le très cosy Renslow Room, une adresse discrète pour ce somptueux bar à cocktail qui, selon les connaisseurs, se hisse parmi les 10 meilleurs bars des États-Unis. Ici, qu'on soit people ou kidam, pas de laisser-passer. Récemment, on avait Edward Norton qui était ici. Il est venu pour sa table. Ben, il a dû aller à la petite abeille à côté, voir sa Stella et attendre une demi-heure pour sa table. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side. Pour réaliser ce projet, Yves a fait appel au talent d'une jeune architecte belge installée à New York. Quand on s'est assis avec Delphine, je lui ai dit je voudrais faire un endroit sympa, un truc qui est très accessible, même qui donne un petit peu ce côté privé, mais qui ne l'est pas du tout. L'idée de ce bar, c'était, parce qu'il y en a tellement à New York, c'était de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc il y a eu les sonnettes, où en fait le bar est une cuisine, comme dans les maisons des années 30, où le personnel était appelé par des sonnettes en cuisine. Donc j'ai voulu recréer ça dans le bar ici. Alors il y a aussi un papier peint qui semble anodin, comme ça. Un papier peint qui, de loin, serait parfait pour les maisons bourgeoises, que quand on se rapproche de près, c'est plus surprenant. Le rêve américain, c'est toujours possible. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Et puis bon, non, la persévérance, je pense, c'est ça. Le rêve américain, je pense que c'est un rêve, c'est pas une réalité. Bonsoir Patrick. Bonsoir Barbara. Deux ici. Alors Patrick Van Roosendaal, vous nous avez donné rendez-vous ici, vous êtes belge à New York, et on se rend compte qu'on est dans un endroit qui ressemble pas mal à ce qu'on trouve chez nous. Tout à fait, c'est en fait le point de rencontre de pas mal de Belges ici à New York, et c'est très mythique parce qu'en fait on est ici dans le plein centre, il y a Times Square qui est juste à côté, il y a Bryant Park, mais on se sent quand même chez nous. Alors vous êtes installé ici depuis quelques années déjà Patrick, comment est-ce qu'un jour on décide de quitter la Belgique pour s'installer à New York? En fait, c'est une histoire de femme. J'étais complètement amoureux d'une Américaine et j'ai tout plaqué pour venir vivre avec elle. Malheureusement, ça n'a pas marché, mais je suis quand même resté dans cette ville fabuleuse.
Et j'ai cultivé un tout petit peu mon amour pour New York, un tout petit peu beaucoup. Et là, en fait, je crois que j'ai le plus beau métier du monde. Je suis devenu guide à New York et je m'occupe des Belges qui viennent ici à New York pour visiter. Alors, vous vous occupez des entreprises, des délégations, des personnalités. Mais on se pose quand même la question de savoir comment on fait pour survivre à New York, dans une ville où, franchement, la compétition est rude. Et d'ailleurs, il y a une expression qui dit « you snooze, you lose ». Ça veut dire « si vous vous endormez, vous perdez ». Ça, c'est tout à fait vrai. La compétition est très grande, mais justement, moi j'ai de la chance parce que toute la journée, je me sens entouré par des Belges. S'il y a quelque chose qui me manque, je peux venir dans un bar comme celle-ci, prendre une bonne bière, un bon chimet ou des moules frites. Et voilà, je n'ai pas ce mal de pays. Je me sens bien à New York. Alors la communauté belge, elle s'élève à plus de 3000 personnes ici à New York. Est-ce que c'est une communauté qui vit ensemble, qui s'entraide? Est-ce que vraiment vous avez des contacts entre vous? C'est clair, on est vraiment très soudés. On se sent vraiment belge. On est fiers d'être belge à New York et on a toutes les raisons possibles pour être fiers. Parce que bon, le chocolat marche bien, les gaufres marchent bien, l'équipe de foot marche bien. L'art, la mode. Non, c'est génial. Eh bien, vous savez quoi, Patrick? Ça me donne envie de trinquer tout ça. Merci. Voilà. Voilà. Au Belge de New York. Tout à fait. To Belgium. Merci. Chin. Chin. On se retrouve maintenant sur la mythique 5e avenue et ça tombe bien puisque nous allons parler mode. La femme que nous allons vous présenter maintenant s'appelle Diane von Furstenberg. C'est une créatrice de mode et c'est la plus belge des New-Yorkaises. En 1974, elle invente une robe élégante et portable en toutes circonstances, une robe qu'elle appelle la robe dress ou robe portefeuille. Elle a vendu cette robe à plus de 10 millions d'exemplaires et elle fête cette année ses 40 ans d'existence. Gérald Watley a eu la chance de passer du temps avec Diane von Furstenberg dans cette ville où tout a commencé pour elle. Star un jour, star toujours, Diane vient d'arriver, elle est entrée par l'entrée des artistes. Moi j'entre par la grande porte et on va la retrouver. À tout de suite. Femme d'affaires pressée, toujours entre deux maisons ou encore deux avions, Diane von Furstenberg nous a consacré un peu de son précieux temps pour nous recevoir dans son antre. Le building DVF est situé dans le Meatpacking et depuis le toit de l'immeuble, on peut apercevoir le High Line. Et bien sûr, c'est pour nous parler des 40 ans de son best-seller, la mythique Wrap Dress. C'est très drôle parce qu'en français, une Wrap Dress, ça s'appelle une robe portefeuille. Et en fait, pour moi, c'est tout à fait juste, parce qu'elle m'a vraiment rempli mon portefeuille. C'est une robe qui a payé pour tout, qui m'a tout donné, qui m'a payé pour toutes mes factures, qui a payé l'éducation de mes enfants, mon appartement, mes maisons à la campagne, mes voitures, qui m'a fait fameuse, qui m'a fait... c'est une robe qui m'a tout donné. Et ce qui est amusant, c'est que... c'est grâce à cette robe que je suis devenue indépendante et je l'ai créée à un moment où les femmes devenaient indépendantes. Donc, je suis devenue, grâce à cette femme, la femme que je voulais être. Et comme c'était une robe, beaucoup de femmes sont devenues la femme qu'elles voulaient être aussi grâce à la robe. Alors Diane, on vous attrape quasiment au lendemain d'un événement qu'on peut considérer comme historique, c'est les 40 ans de la Wrap Dress à Los Angeles. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors cette année, j'ai décidé pour la première fois d'honorer cette robe. Et tout dans l'exposition est au sujet de cette robe. On la voit de toutes les sauces. On voit des années 60, on voit des années 80, on voit des nouvelles maintenant qui sont en vente maintenant. Et c'est une manière de montrer tout. Les témoignages de Madonna, les témoignages de Ingrid Betancourt, la première robe qu'elle met après 7 ans de captivité, les témoignages de Madame Obama, Almodovar dans son film, et puis le cadeau de American Bluff, où tout à coup, la robe non seulement est dans le film, mais a un rôle dans le film, parce que le jour où elle met la robe, sa vie change. Pour la première fois, je dois dire que je suis partie, j'ai vu cette exposition, et pour la première fois, je suis fière, voilà.
Mais on pourrait dire que la wrap dress est à Diane von Furstenberg, ce que le smoking est à Saint-Laurent pour les femmes. On voit une femme en Diane et on dit « yes, this is it ». Ce que j'aime, c'est être une femme. Et donc, j'aime les choses qui vous rendent plus femme. Mais ça ne doit pas être vulgaire, ça ne doit pas être agressif. Et puis surtout, c'est une question de confort. Parce que si on est confortable, on bouge. Moi, je crois beaucoup à ce que j'appelle le body language, le langage du corps. Comment vous marchez, comment vous croisez les jambes, comment vous... Alors là, les jambes, on peut dire que vous les croisez bien. Mais je sais. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est que les robes soient accessibles. Alors qu'elles soient de très bonne qualité, d'ailleurs elles le sont, parce que les robes que vous achetez d'il y a 40 ans se vendent au même prix que les nouvelles. Elles tiennent le coup, mais donc la qualité est importante, le design est important, mais j'aime bien, mais comme je suis assez démocratique en tant que, comme je suis, j'aime bien l'idée que ça soit accessible, voilà. Alors, vous dites dans le livre, j'ai relevé une toute petite phrase, « I was inspired and I inspired ». J'étais inspiré et j'ai inspiré. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça sur les femmes? Qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré? Je vais vous dire une chose. Souvent, dans le journal, je vois des photos. On voit des photos affreuses, tellement tristes, de femmes réfugiées ou de femmes en Inde, dans des champs, etc. Et elles sont d'une élégance. Même les couleurs. Enfin, je veux dire, c'est fou. Donc, c'est cette espèce de force et de dignité que les femmes ont qui m'inspire moi. Ah, Diane von Furstenberg, ça c'est une personnalité, une femme qui compte, une femme qui bouge, une femme comme on les aime. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Barbara. En tout cas, derrière la femme d'affaires, il y a une grande dame qui a inspiré les femmes et qui s'est inspirée des femmes. Et je trouve que c'est une très belle réussite. C'est en tout cas le genre de personnalité que l'on trouve dans une grande ville comme New York. New York que l'on connaît souvent via les photos, les films ou même pour l'avoir visité. Et qui ne s'est pas dit finalement, tiens, je viendrai bien vivre à New York un jour. Eh bien, cette fois-ci, je me suis dit que je pourrais vivre à New York. Mais pour bien connaître New York, d'abord, eh bien, il faut faire appel à un spécialiste. Notre spécialiste à nous, eh bien, elle est belge, elle s'appelle Jacqueline Gossens. Elle est tombée amoureuse de New York il y a 20 ans. Elle y a posé ses valises et n'a de cesse de parcourir la pomme hors des sentiers battus. Il en ressort un guide inhabituel intitulé « 100 fois New York ». C'est Marie-Hélène Vanderborg qui l'a rencontrée pour nous. Elle lui livre quelques bonnes adresses. Attention, c'est parti, suivez le guide. New York, Times Square, l'Empire State Building, Central Park. Mais au-delà de ces lieux incontournables, la ville offre mille et une facettes pour qui sait la sillonner de long en large. C'est le cas de Jacqueline Gossens. Cette journaliste avait choisi de venir vivre un an à New York il y a de cela 30 ans. Tombée sous le charme de Big Apple, elle ne l'a plus jamais quittée. Auteur de nombreux ouvrages sur New York, elle nous emmène au nord de Manhattan, à Harlem. Là où subsiste une maison historique. La Maurice Jumel Mansion est la plus vieille maison qui existe encore à Manhattan. C'était construit en 1765. George Washington avait ses quartiers ici pour préparer les attaques contre les Britanniques. Et pourquoi? Parce qu'on est sur une hauteur, on voit le Bronx, le South Bronx, et c'est entre les deux rivières, le Harlem River, hein, rivière de Harlem, et Hudson River. Derrière nous, ça c'est le numéro 555 Edgecombe Avenue, très très connu parce que Count Basie, hein, le musicien de jazz, a vécu là et chaque dimanche, il y a un concert de jazz. C'est très, très sympa. Hi, Marjorie. Ça, c'est mon chouette ami Marjorie Elliott. Et chaque dimanche,
Elle donne un concert gratuit dans son appartement. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est vraiment chaque semaine, ça fait déjà 10 ans qu'elle fait ça. Thank you for your time. I'm so glad to see you. I'm really glad you wanted to do this. Okay. I'm glad for you. Hopefully, even more Belgians will come now. Okay. Go, 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 Charlotte. It's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. On est sur le 125 rue. C'est vraiment le cœur de Harlem, et c'est fort changé. Quand je venais ici au début, dans les années 80, y a beaucoup de magasins étaient fermés, abandonnés, et aussi beaucoup de bâtiments à Harlem. Et maintenant, on a investi beaucoup d'argent, et aussi la population est en train de changer. Il y a de plus en plus des Blancs qui viennent ici. One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene. Près de nous, il y a le Apollo Théâtre. C'est le théâtre le plus fameux de Harlem. Il y avait des gens comme James Brown, Aretha Franklin qui ont commencé leur carrière ici, Michael Jackson. Quand James Brown était décédé, son corps était exposé ici pour plusieurs jours. Et il y avait des milliers de gens qui sont venus. On jouait la musique de James Brown, les gens dansaient, chantaient. This is a man's world, but I knew nothing. Il est temps à présent de prendre le métro pour rejoindre le sud de Manhattan, dans le quartier de Tribeca. C'est le quartier le plus cher de New York. Il y a plein de célébrités qui habitent ici. Marilyn Streep, Gwyneth Paltrow, Billy Crystal, Jon Stewart. Des musiciens comme Laurie Anderson et des jeunes banquiers. Et à propos des célébrités, tout le bloc auprès de moi appartient à Robert De Niro. You talking to me? En 1990, il ouvrait son premier restaurant, le Tribeca Grill, au coin ici. Et c'est une ancienne usine de torréfaction. Et on voit encore le nom. You talking to me? Alors ici, nous sommes devant un petit parc. Oui, ça s'appelle Duane Park. Et c'est le deuxième parc le plus ancien de New York. Dans le 19e siècle et début 20e siècle, c'était le marché des œufs, du beurre et des fromages. C'était le plus grand marché de l'Amérique. Et on voit encore des traces dans les quais de débarquement. Enfin, pour rejoindre notre dernière étape, il n'y a pas de métro. C'est en empruntant le pont de Brooklyn que l'on rejoint ce quartier qui monte. Alors ici, c'est un autre quartier que vous nous faites découvrir. Oui, on est à Red Hook. C'est un quartier très intéressant. Il y avait beaucoup d'industries et beaucoup d'activités portuaires. Et après, avec les bateaux de containers, on a fait un port nouveau à New Jersey. Alors New York a perdu toute l'industrie portuaire. Toutes les usines, c'était fini. Ces grands espaces maintenant sont investis par qui? Par des artistes, il y a des ateliers d'artistes et des galeries. Et je propose qu'on visite une des galeries. Come away with me in the night. Come away with me and I will. Come away with me on a bus.
Si New York continue de fasciner par ses clichés, elle mérite bien qu'on prenne le temps de s'y perdre un peu. Restez avec nous dans un instant. Je vous présenterai un homme, un Belge qui a réussi à l'américaine. Une vraie success story, celle de Christophe Van de Weeg, l'un des galeristes les plus courus à New York, un spécialiste d'Andy Warhol. Il nous fera visiter sa maison de maître qu'il a achetée ici. Mais ce n'est pas tout. Dans cette deuxième partie d'émission, vous découvrirez aussi les liens entre notre famille royale et cette ville mythique des États-Unis, New York. Restez avec nous, c'est juste après la pub. Nous voici de retour sous le soleil de New York sur cette promenade baptisée le High Line et en partie financée par Diane von Furstenberg. Alors New York, c'est la ville de tous les rêves. Il y a quelques années, un Belge quitte notre pays pour s'engager dans le tennis international. Très vite, il bifurque, devient l'assistant d'un grand galeriste new-yorkais avant d'ouvrir sa propre galerie. À ce jour, il est spécialisé dans l'art moderne et compte parmi le top 100 des gens qui comptent dans le monde de l'art. Une histoire à nous faire rêver, comme nous le raconte Barbara Louis. Bonjour Christophe. Bonjour Barbara. Alors, un Belge à New York, vous nous avez donné rendez-vous ici. On est au 980 Madison. Pourquoi ? Mais écoutez Barbara, c'est une adresse très importante pour moi. Car c'est mes tout débuts à New York, c'est la galerie de Larry Gagosian et c'est là que j'ai débuté tout au début. Ça fait 22 ans que vous êtes là, Christophe, et on peut le dire aujourd'hui, New York est la plaque tournante de l'art moderne en général. L'art moderne, l'art contemporain, sûrement, parce que je pense que c'est à New York où il y a le plus de collectionneurs, de marchands, les musées sont magnifiques. Alors, vous êtes tout près d'ici. Est-ce que vous nous emmenez visiter votre maison de maître ? Laissez-moi réfléchir. Ben, pourquoi pas ? Allez, on allons-y, vous suit, alors. Allons-y. D'accord. Christophe, quand on est marchand comme vous, qu'est-ce qu'on met à ces murs ? Parce que vous devez voir passer des œuvres magnifiques et à un moment vous dites « Ok, ça c'est pour moi, ça c'est pour chez moi ». Mais écoutez, je pense que quand on est marchand, je pense que c'est très important de pouvoir parler à un client et puis je pense que c'est important d'avoir une collection personnelle. Ça c'est un tableau de Basquiat qui est un tableau qui date de 1982, sa meilleure année. Ma deuxième œuvre préférée, c'est ce tableau-ci. Et ça, c'est un tableau de Cy Twombly. C'est une œuvre pour spécialistes, c'est pas pour quelqu'un qui va jamais au musée ou qui regarde pas les tableaux, qui connaît pas. C'est très difficile d'apprécier un tableau comme ça. Dire que vous auriez dû ou pu être professionnel en tennis, on n'imagine pas ça. C'est vrai, parce que ma carrière de tennis, ça, c'était vraiment ma première passion et c'est ce que vraiment j'ai commencé à faire dans la vie. Et puis alors, comment est-ce qu'à un moment, vous décidez d'arrêter le tennis ? En fait, c'était très simple. Blessure au dos, double hernie discale à l'âge de 18 ans. Et puis là, c'était fini. Mais à l'université, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans l'art. Et puis cette personne m'a appris le métier de l'art. Et puis j'ai pris goût au métier de marchand d'art. Et puis un jour, vous rencontrez Larry Gagosian qui change le cours de votre vie, finalement. C'est vrai. Larry Gagosian, dans le milieu de l'art, depuis les 15 dernières années, c'est un géant. C'est le plus grand marchand d'art au monde. C'est lui qui fait le plus grand business, qui fait les plus grands deals. Et j'avais rencontré Larry Gagosian en boîte, tout à fait par hasard. Et là, il m'a sympathisé, puis il m'a engagé. Donc. Et après 3 ans, je suis devenu son premier vendeur. Mais un jour, je lui ai dit, voilà Larry, je travaille pour toi depuis 7 ans et demi, maintenant, il est temps que je vole avec mes propres ailes. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Christophe, go for it. Direction Greenwich, Connecticut, où Christophe a rendez-vous avec David et Leslie, un couple qui possède une collection plutôt exceptionnelle. Hi. How are you? So nice to see you. I'm good. How are you? You're wonderful. Thank you. So I was explaining that you have wonderful Magritte and one which is an absolute masterpiece. Donc ici, ce qui est tout à fait étonnant et ce que j'adore, c'est qu'on voit cette collection chez eux qui sont dans on est dans leur salon. Mais ce qui est magnifique,
c'est qu'ils vivent avec leur tableau. Donc, tout est mis d'une manière très relaxe, sans prétention. Mais, par exemple, ce tableau-là, pour moi, c'est un tableau qui est dans les 10 meilleurs tableaux de Magritte, même peut-être les 5 meilleurs tableaux de Magritte. Si vous deviez garder une seule œuvre parmi toutes celles de la maison, laquelle choisiriez-vous? I think the Infinite Conversation, the Magritte that we were just talking about. Combien vaut un Magritte comme la conversation infinie? Ça, c'est qualité hors catégorie, donc il n'y a pas de prix. On peut vous dire que ça peut coûter 50, 60, 80 millions de dollars, parce que c'est hors catégorie. Si un musée voulait vous acheter une de vos œuvres, vous pourriez accepter? Never. Non. Ils prêtent généreusement, mais en termes de vente, souvent j'essaye de twist your arm, j'essaye de leur faire mal pour qu'ils vendent, mais malheureusement, j'ai jamais beaucoup de succès. En revanche, je peux leur vendre beaucoup. Ça vous manque la Belgique, Christophe? Disons, l'Europe me manque parce que ici, dans mon métier, je travaille souvent avec des Belges ou des Français ou des Allemands ou des Italiens. Et je vais en Belgique 4 fois par an et je suis toujours tellement content de retourner en Belgique. Alors depuis, et ce mois-ci, il y a un article qui vient de paraître qui fait de vous une des 100 personnalités influentes du monde de l'art. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est quel sentiment ça vous procure? Vous savez, la mentalité new-yorkaise dit qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler et le reste, on s'en fout. Et moi, mon métier de marchand d'art, c'est un métier que j'adore. Je vends un rêve, je vends une passion. Et puis surtout habiter dans cette ville, New York, qui est une ville que j'adore. J'ai une vraie passion pour New York, c'est le rêve. Eh bien, une sacrée réussite en tout cas. Quelle impression vous laisse cette rencontre, Barbara? Fabuleuse. Et puis, ce qu'on se dit, c'est que c'est une réussite à l'américaine pour un Belge. Donc, ça donne envie. Et justement, Gérald, vous ne verriez pas, vous, avec un resto chez GG, spécialité boulette sauce lapin? Eh bien, écoutez, j'y pense dès ce soir. Une chose est sûre, New York a toujours été une destination royale depuis des années. Exact. Et on ne peut oublier les voyages de nos souverains précédents, le roi Baudouin et la reine Fabiola, le roi Albert II et la reine Paola. Et plus dernièrement, septembre dernier, la reine Mathilde qui faisait son premier voyage en solo depuis l'avènement du roi Philippe. C'est Gérald de Coster qui revient sur ces liens royaux entre New York et la Belgique. Septembre 2013, la ville qui ne dort jamais accueillait notre nouvelle reine. À l'invitation de l'ONU, Mathilde participait au sommet intitulé « Architecte pour un monde meilleur ». L'occasion pour la souveraine de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et de prendre la parole afin d'évoquer les droits de l'enfant. I am delighted to see that my country, Belgium, is a front runner in mobilizing the business community on children's rights. En mai 2007, Albert II et Paola effectuaient une visite de travail à New York. Cette année-là, la Belgique débutait un mandat de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont elle assura même la présidence. La présence d'Albert II au pays de l'oncle Sam constituait un geste fort de soutien à la diplomatie belge très positivement perçue au sein d'organisations aussi importantes que les Nations Unies. L'occasion pour Albert et Paola de se recueillir sur le site des Tours Jumelles, mais aussi de s'adonner à leur passion de la photographie. Si le but principal était de rencontrer les hauts dignitaires de l'organisation, en particulier Ban Ki-moon, ce sera aussi l'occasion de prendre contact avec les Belges résidents et travaillant à New York. Quant à la reine, pendant que son royal époux vaquait à ses occupations officielles, elle pouvait découvrir une exposition de tapisserie flamande au Metropolitan Museum of Art. Septembre 1990.
Baudouin et Fabiola étaient au siège des Nations Unies à l'occasion du premier sommet mondial pour les enfants. Pas moins de 71 chefs d'État et de gouvernement adopteront la déclaration sur la survie, la protection et le développement de l'enfant. On se souviendra de toute l'attention que portait le couple royal aux enfants dont ils avaient été privés dans leur couple. Malgré ces efforts engagés sur le plan juridique, nous savons tous aussi qu'aujourd'hui, tant d'enfants souffrent, soit des comportements cruels des hommes, soit de conditions économiques et sociales injustes. Baudouin connaissait déjà New York, car c'est par cette ville qu'il termina un périple de 20 jours à travers les États-Unis en 1959. À contre-cœur, le souverain dut se prêter à une ticker tape parade sur la célèbre avenue de Broadway. 40 ans plus tôt, en 1919, le roi Albert, accompagné d'Elisabeth et de Léopold, s'était rendu en visite officielle pendant plus d'un mois et demi outre-Atlantique. L'un des héros de la Première Guerre mondiale y rassembla des foules enthousiastes. Son périple débuta à New York, réception à la mairie et plantation d'un arbre à Central Park. Cette ville, le prince Albert l'avait déjà découverte en 1898. Il y avait été impressionné par les premiers high buildings, maisons de 24 et 26 étages qui dominent tout. New York, une ville trépidante où réside pas mal de Belges, dont un membre de la famille royale, un certain Amedeo. Eh bien, nous nous retrouvons dans les frimas new-yorkais avec la Statue de la Liberté derrière nous. Alors, on peut rappeler que cette Statue de la Liberté a été offerte par la France aux États-Unis pour le centenaire de leur indépendance. Elle a été créée par un célèbre sculpteur, Auguste Bartholdi, et elle fut inaugurée en 1886. Vous allez tout apprendre sur cette sculpture, puisque dans un instant, vous allez découvrir un documentaire. Ce sera à 22h30, Lady Liberty. Vous saurez tout sur cette fameuse Statue de la Liberté. Un documentaire à ne pas rater. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, on reparle un peu de Lady, puisque ce sera une émission en forme de cœur, c'est la Saint-Valentin. Ah oui, vivement la semaine prochaine. Bon week-end à tous. À bientôt. Pour jouer et peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3, ainsi que vos coordonnées par SMS au 60 20. Bonne chance.